Coucou. Alors, on est mardi soir. Voilà, il est 21h. Mais en fait, on a été très très occupés. Voilà, en fin de journée, puisque nous avons réservé notre week-end pour nos 25 ans de mariage. Oui, ça, c'est une année entre les 50 ans de nous deux. Il a eu 50 ans, j'ai eu 50 ans. Et là, au mois de mai, nous allons faire nos 25 ans de mariage. Donc, allez, je vous laisse la surprise. Vous verrez bien où on va partir. Et on va se faire un petit week-end. Voilà. Bon. J'ai déjà. Hallucinant. J'ai posté la vidéo des défis hier matin. Lundi matin. Aujourd'hui, j'ai déjà deux courriers dans ma boîte aux lettres. Défi de mai et là, je crois qu'il y a marqué. Ah non, là, il n'y a pas marqué défi de mai. Bah, je vais ouvrir celle-là alors. Donc, ça me vient de Maryse, du 47. Allez, aujourd'hui, je me suis dit, oui, c'est mardi, je vais faire plein de créations. Ouais. Et ben, pas du tout, j'en ai fait aucune. J'ai fait un prototype. Et puis c'est tout. Ah, du muguet. Happy sorrow bring me forever. Voilà. Une jolie petite carte comme ça. Et ah, je l'ouvre. Bon 1er mai. Merci pour toutes ces belles vidéos. Amitié. Alors, oh, je n'arrive pas à lire ton prénom. J'ai dit quoi, Maryse? J'ai l'impression que c'est Marie. Maryse, oui, c'est ça, Maryse. En même temps, facile à lire. Bon, il n'y a rien à cacher. Mais voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Donc le muguet, je sais pas si je vous l'ai montré. Il y a de la brillance, il y a des petits papillons, il y a du muguet, il y a un message. Trop mignon. Ça fait plaisir. J'ai eu plusieurs petites cartes là du 1er mai, ça fait plaisir. Et celle-ci, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pour ma Nicole. Et je ne peux même pas tricher, je ne peux même pas regarder parce que ça a été fermé. Alors, je ne peux pas tricher, hein. Je ne peux pas regarder et refermer l'enveloppe discrètement. Je ne peux pas. Voilà, donc Maryse, merci beaucoup. Je vais garder cette enveloppe là, voilà, sur mon trépied. D'ailleurs, je fais bouger un peu le trépied, c'est pas trop grave. Donc, alors, Marie-Thérèse D du 90, eh bien. Tu es la première à m'envoyer le défi de mai. Alors, on va l'ouvrir. Et ouais. Oh, c'est très joli. C'est très, très joli. Donc, il faut trouver, normalement, si les consignes ont été respectées, un animal ou un petit insecte caché. C'était la petite difficulté. Du défi, donc c'est une carte. Après le format, vous prenez ce que vous voulez. Des couleurs pastel avec des fleurs et un animal caché. Donc je vais lire d'abord le petit mot. Bonjour Coco, voici ma carte pour le défi du mois de mai. Une carte, des fleurs, couleurs pastel et un insecte à découvrir. C'est. Ah, t'en as mis plusieurs? Une fourmi, une punaise. Une coccinelle avec une flûte de champagne pour fêter les beaux jours. Ok, donc je vais regarder, je vais chercher. Donc là, je vois, me semble, la punaise. Ah, mais c'est tout derrière. Attendez, je ne vais pas. Je veux pas tout abîmer. Ça, c'est quoi? Une fourmi. Attendez, attendez. Derrière, là, hop, une petite fourmi.
La fourmi, la furmi, la punaise. Et quoi? La coccinelle avec une flûte de champagne? Non, c'est une blague. Peut-être elle est derrière, non? Alors attends. Titi. Je soulève tous les petits. Toutes les fleurs. Ben non, je vois pas. Non, c'est une blague. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bon, ben, je n'ai pas trouvé la, la fourmi. Là, attends. Une fourmi, une punaise, une coccinelle avec une flûte de champagne pour fêter les beaux jours. Non, ça, c'est une blague. Voilà, hop. Alors, du coup, celle-ci, je l'ai un peu. Donc, la petite fourmi, elle est là. La punaise, elle est ici. Mais la coccinelle, je ne l'ai pas trouvée. Je pense que c'est une blague. Je me dis des fois qu'il y a un truc qui soit tombé. Mais tu me diras, Marie-Thérèse. Alors, je ne sais pas si vous, vous la voyez. La coccinelle. Je pense que c'est une blague. Je regarde quand même. Non. Voilà, bon bah merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti cette idée de défi. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Donc Marie-Thérèse, merci beaucoup. Hop. J'ai fait un petit truc de. Et je vais ouvrir ça avec vous. Voilà, tous les mois, il m'envoie, tous les mois, ouais, tous les deux mois, j'ai cette marque qui m'envoie un petit journal, un petit magazine. Bon, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est pour me vendre des trucs, hein. Ça, c'est une évidence. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'à chaque fois, j'ai des petits échantillons, voilà. En fait, j'ai passé une commande pour Noël chez eux pour faire un cadeau à ma copine. Et ben depuis, ils m'envoient des trucs. Donc, je trouve ça très bien. Mandarine, bergamote et citron. Alors non, ce ne sont pas des sachets de thé ni des préservatifs. Hein. Ce sont des... vous savez, les petits échantillons de parfum là sur un petit tissu. Jasmin, perle de thé. Ah bah, ben, on y vient. Voilà. Bergamote et citron. Rêve indien. Ça, c'est quoi? Citron. Alors, note. Ah, j'avais mal lu. Pardon. Note de tête. Citron, bergamote. Ils ont tous bergamote et citron. Ouais, en note de tête. Et sinon, note de cœur. Jasmin, rose, thé, épices. Et note de fond. Santal, ambre, patchouli. Bon, je ne suis pas très douée pour les trucs de parfum comme ça. Hein. Ensuite, celle-ci. Donc, bergamote citron en note de tête, en note de cœur, jasmin, chèvrefeuille, thé vert. Et en note de fond, cèdre blanc, bois de gaillac, ambre blanc. Voilà, si vous vous y connaissez. Et celui-ci. Note de tête citron, bergamote. Note de cœur rose, jasmin, iris. Note de fond, patchouli, vanille et benjoin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. B-E-N-J-O-I-N. Voilà. Bah écoutez, je vais les mettre avec les autres parce que j'en ai d'autres ici. Voilà. Des fois, voilà. Bon, je me les garde ici. C'est des petites lingettes, donc je me dis des fois, c'est pas mal. J'en ai déjà utilisé. J'en ai utilisé un l'autre jour pour nettoyer mon plan de travail. Oui, bon, c'est du gâchis. Mais après, ça sentait bon. Je scrapais, ça sentait très très bon. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai un autre courrier, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, une sorte d'enveloppe comme ça. Je n'ai pas fait de commande. J'ai pas fait de commande. Petit colis distribution.
Petit colis, je sais pas ce que c'est. Mais je vais vous ouvrir ça dans une autre vidéo. Ça se trouve, c'est, il y a besoin de... Oui, je mets à la poubelle. Ça se trouve, j'ai pris les échantillons et je mets ça à la poubelle. Ça se trouve, il y a besoin d'une vidéo à part pour faire ça. Je me rappelle pas de ce que c'est. Donc, je vais découvrir ça tout de suite. Et vous verrez la vidéo plus tard. Voilà, parce que là, voilà, j'ai repris. Là, il y a toute la semaine qui est remplie. Donc, ça, c'est bien. Je fais des bisous et je fais la suite de mon côté. Allez, bonne journée à tous. Bisous, bisous.